décembre, il y a la remise du prix Nobel de physique à François Englert. Donc la moindre des choses que l'Université libre de Bruxelles pouvait faire, c'était de lui rendre hommage et à travers son recteur. Donc voilà, je suis là pour François Englert et pour lui témoigner toute la fierté de la communauté universitaire de l'ULB. Je suis très content, humainement, pour François, qui est quelqu'un que je connais bien. Je suis très content d'être présent pendant cette cérémonie. L'article de François Englert et de Robert Braut de 64 est bien présent sur mon bureau parce que, en fait, je le propose en stage à des étudiants de troisième année. Donc je propose à ces étudiants la lecture de cet article ainsi que les articles de Higgs. Comme une initiation à la recherche et aussi à la recherche des sources originales. Professeur Englert, j'avais, lors de la cérémonie des vœux de 2013, souhaité un prix Nobel. Je vois que mes vœux ont été exaucés. Donc, je suis d'un naturel très raisonnable. Je n'en souhaiterais pas un supplémentaire pour l'année 2014. Mais ce que j'aimerais, c'est que l'ensemble de la communauté de l'Université libre de Bruxelles soit très fier de sa production et trouve dans son université un milieu d'épanouissement le plus agréable possible. Et c'est à ça que j'essaie de travailler.